Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. On a une personne qui n'aime pas du tout se prendre la tête avec toi. Et une personne, vous voyez, qui en ce moment est un peu en train de se demander comment je pourrais éventuellement l'approcher, lui dire les choses sans que ça ne parte dans tous les sens. Une personne qui a quelque chose à vous dire là. On va regarder ça. Ouais. Et on parle réellement, vous voyez, comme d'une situation où c'est quelqu'un qui est un peu gêné en réalité, comme d'aborder hein, ce genre de conversation avec vous. Bon, ça me fait un peu peur, mais j'ai aussi peur en réalité, tu vois, que. Que tu aies déjà fait ton choix. On a une personne qui veut se rapprocher de vous, mais une personne qui a l'impression en réalité, tu vois que c'est comme si ben t'avais pas de temps à lui accorder. Une personne, tu vois, qui pense en réalité que t'as mieux à faire que de parler avec moi, t'as mieux à faire que d'échanger avec moi, t'as mieux à faire tout simplement que de passer du temps avec moi. On a quelqu'un, tu vois, qui est resté dans les doutes, dans les hésitations, une personne qui a pu tout simplement dire en réalité que, voilà, je ne sais pas si j'ai envie de m'engager, on verra ça par la suite. En tout cas, là, pour le moment, ce n'est pas forcément la priorité, j'ai autre chose en tête, j'ai. Voilà. Une personne qui a clairement hein, fait comprendre ou dire qu'elle n'avait pas envie, tu vois, comme d'aller plus loin en réalité avec toi, mais une personne qui aujourd'hui. Une personne qui réalise en réalité que si elle a agi comme ça, c'est parce qu'en réalité. Alors, soit elle n'a pas osé de sortir les choses, soit tout simplement, ben. Non, j'ai pas osé dire les choses comme elles étaient. Ça, c'est bizarre, tu vois. Vous avez eu un échange avec cette personne. Vous avez été droit au but, hein. Bon, nous, on fait quoi? On officialise la relation, on planifie l'avenir, ou au contraire, on continue à faire du sur place, ou on continue, tu vois, à faire comme si ben, on n'avait pas réalisé qu'on avait envie d'aller plus loin, quoi. J'ai vraiment cette impression ici que c'est une personne qui a été prise au dépourvu et une personne qui a pu répondre, ouais, mais écoute, laisse les choses se faire, on verra bien, tu vois, ce qui se mettra en place. Ou tout simplement, tu vois, une personne qui a pu te sortir, non, mais en ce moment, c'est pas. Ça, c'est pas vraiment la priorité. Et une personne qui est tout simplement en train de regretter en ce moment. Une personne qui réalise hein, que si aujourd'hui il ne se passe pas grand-chose entre vous, et qu'elle est un peu, tu vois, comme obligée de garder son amour sur les bras, ben. C'est parce que sa communication, elle a été claire. Alors peut-être en réalité que ce n'était pas forcément vrai, puisque c'est une personne qui a voulu se cacher, tu vois, derrière quelques masques, mais écoute, quand tu me dis que tu veux pas, je vois pas pourquoi je devrais forcer les choses. J'ai l'impression ici que même si c'est une situation, vous voyez, qui a pu vous mettre mal à l'aise, quelque chose qui a pu vous faire du mal, j'ai l'impression que vous avez été tout simplement dans l'acceptation. Bon, d'accord. Tu t'es pas fâché, tu n'as pas essayé en réalité, tu vois, comme de rattraper la personne, puisque, écoute, peut-être, tu auras la possibilité, tu vois, comme de partir vers une autre personne. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous vous êtes retrouvé dans une espèce de situation où la personne en face n'a pas su, tu vois, comme dire les choses, et la personne, tu vois, elle a continué à s'enfoncer en mode. Voilà, et puis peut-être, on sait jamais, tu peux rencontrer quelqu'un, moi aussi, on se ferme pas les portes, tu vois, c'est comme si on avait essayé de se faire comprendre en réalité que
Non, il n'y a pas de lézard, t'inquiète. Hein. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Ben, chacun fait sa vie. Vous avez essayé d'être cool sur ce coup-là, sauf qu'en réalité, ça vous faisait beaucoup plus de mal que vous n'avez laissé transparaître. Une personne, en réalité, vous voyez, qui aujourd'hui a totalement conscience hein, de ce qui a pu se passer entre vous, de ce qui vous a éloigné, de ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez lâché prise et puis que vous continuez votre chemin. On a quelqu'un qui se demande, en réalité, tu vois, où tu en es en ce moment, puisque, ah ben, de mon côté, j'ai pas forcément grand-chose de sérieux, quoi. De mon côté, il se passe pas forcément quelque chose qui me permet de me sentir bien. Alors, je dis pas que je peux pas rencontrer du monde, je dis pas que j'ai pas d'autres possibilités, mais c'est comme une personne qui est restée sur sa faim. Si j'avais envie de croquer la vie à pleines dents, j'avais envie qu'on la croque à deux, tu vois, mais ah ben, j'ai dû faire avec. Depuis, j'ai dû faire avec. Une personne qui jusqu'à maintenant continue, tu vois, comme à porter un masque. Une personne qui fait encore comme si, ben, écoute, ça gère, hein, tu vois, ça gère. C'est pas mauvais, quoi, tu vois, ce que je vis, c'est là. On a une personne aussi, tu vois, qui réalise que garder le silence, garder ses sentiments, on va dire un peu, en tout cas son amour sur ses bras, c'est ben, que ça peut être douloureux. Tu peux faire la connaissance, la rencontre de personnes différentes, tu vois, de personnes nouvelles, mais si le cœur n'y est pas, ben, il n'y a toujours pas de joie, il n'y a toujours pas de bonheur. On a une personne qui a pu se maîtriser jusqu'ici, une personne qui, ok, ça ne fonctionne pas, ben, je vais tenter de vivre une expérience nouvelle. Aujourd'hui, je réalise que l'expérience nouvelle, ben, ce n'était pas forcément en réalité pour vivre une expérience nouvelle, c'était tout simplement pour voir hein, si tu allais revenir me chercher. Éventuellement, tu allais rattraper les choses et que tu allais me dire, bon, tu sais quoi, t'arrêtes de déconner, maintenant on se met ensemble, quoi. On a comme une personne qui s'attendait à ce que tu prennes les choses en main, mais une personne qui réalise avec l'aide d'une autre que peut-être c'était pas à elle ou à lui de prendre les choses en main. Peut-être qu'on t'a lancé la perche et que tu n'as juste pas su la saisir. Elle s'approche. Ou il s'approche. En tout cas, la personne, elle arrive. Elle a compris. Oui, il a compris. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je te dis à la prochaine.